Non, il va me TK. S'il tire sur Valkyrie, il va tuer toute ma cave. Non mais c'est fou d'être con comme ça. Non mais c'est une folie d'être con, hein. C'est une folie d'être con, hein. Allez, salut YouTube, nouvel épisode d'une de vos séries préférées, hein. Je le sais, mesdames et messieurs, vous aimez beaucoup me voir souffrir. Aujourd'hui, épisode cauchemar en multi. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, sans trop vous tease, que je pense que là, on est dans le très 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 haut niveau des épisodes cauchemar en multi, hein. Entre la première game et la deuxième, vous allez voir que deux salles, deux ambiances, hein. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, un petit like, un petit abonnement, ça aide énormément la chaîne. On vise toujours les 3000 abonnés et moi je vous souhaite d'excellentes batailles. Ok mesdames et messieurs, c'est parti, première bataille, je fais vite, hein, vous savez, pour pas que les gens rage quittent. On est au elf avec elf sylvain contre comte vampire guerrier du chaos. Donc c'est trop cool, là on a vraiment un match-up sympa, il n'y a aucune faction cheatée. Alors après mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, prochaine game on va se faire plaisir, hein. Non, parce que moi je suis un mec gentil, déjà je me tape des alliés généralement en cauchemar multi, bon, c'est compliqué, hein. Si vous voyez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes, hein, ça fait toujours plaisir. Alors bon, voilà, prochaine game, en plus il y a eu le DLC qui est sorti, donc on va se faire plaisir. On se jouera soit l'empire, soit les nerfs, soit Nurgle, mais je vous avoue que j'ai quand même bien envie de sortir double tank avec l'Empire là et de le faire pleurer. Mais bon, en plus là, en vrai, je suis content, on n'a pas pris des factions cheatées, ils ont pas pris des factions cheatées, donc ça va être une bonne game. On est sur Carrefour, donc bah, une map super intéressante. Et mon alliance... On est dans cauchemar à multi, il n'y a pas de doute. Alors là, je vous laisse, voilà, je vous laisse faire un screen. Et voilà, là, vous devez jouer au jeu des 7 erreurs et me dire tout ce qui va pas. Alors bon, je vais vous aider, hein, parce que vous avez peut-être pas le temps. 1, il n'y a pas de magie. Impeccable. 2, il y a un lord qui est super bien, mais je pense qu'il est sur dragon. Et en face, il y a un lord qui peut... il y a un lord volant avec l'épée du tourmenteur, ça peut le fumer. Mais globalement, s'il n'a pas ça, son dragon est un peu overreact. 3, il n'y a que de l'élite. Il a quasiment aucune unité. Là, il va y avoir quoi, 600 soldats. C'est une catastrophe. En plus, il a les guerriers faucons, c'est vraiment pas une folie. En plus, il a que des forestiers, ils vont se faire attraper en 10 secondes, ils vont se faire pulvériser. 4, il a pas de front. Il y a 5 unités de front contre une faction où il y a littéralement un doom stack de 20 unités et un mec qui va nous courir dessus avec sûrement beaucoup d'unités aussi. On va passer un bon moment. Je vous ai pas montré ma compo, je vous le fais vite, hein, globalement, voilà. C'est surtout une compo qui est contre le joueur du chaos. Contre le comte vampire, ça va moins s'appliquer, mais ça va aussi. Globalement, je passe à peu près contre tout avec ça. Là, j'ai de quoi nettoyer à peu près toutes les unités du chaos avec ça. Globalement, hein, là, le déchu, les guerriers du chaos, même les mecs à Knut. Entre les lions de Shras et les rangers, je vais les découper. J'ai des lanciers, dont celui de renom. Celui de renom, c'est très simple. Il a le petit bonus qui donne 10% de résistance ultime à toutes les unités autour de lui. Si j'ai 15 points de magie en réserve. Mais comme je joue Domaine de la mort avec le rire de Bjuna, généralement on arrive assez facilement à garder 15 de magie. Et j'ai pris une magicienne sur dragon. Voilà, comme ça vous avez globalement toute mon armée, deux princes dragons pour faire des contre-charges et une sœur d'Avelorn. My bad, j'ai fait un petit peu vite cette fois-ci parce que à chaque fois j'ai pas le temps et ça me cassait les couilles. Ok, on y est, combien sont-ils? 3000, ah bah ouais, bah oui, bah oui, bah oui, vampire plus Gao, il va y avoir du monde là. En vrai les forestiers, j'avais oublié qu'ils étaient 80, je croyais qu'ils étaient que 60, donc en vrai, oh mais il a tellement pas de front. Sa front, c'est 3 lanciers et 2 riades. Après, s'il utilise cette cave pour contre-charger, je me rassure. Bon, le dragon, je l'avais call, évidemment. Il a pas de magie des guerriers faucons. Bon, après, l'avantage, c'est qu'il a quand même les sœurs. Et là, les sœurs, contre ce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, mis à part le lord volant du chaos avec l'épée du tourmenteur, je pense qu'il est pas inquiété. Bon, bref, on va passer un bon moment. Au moins, il se déploie correctement. Donc, ça, c'est déjà ça. Alors, moi, par contre, ma ligne, je pense qu'ils vont être choqués parce que je vais découper leur ligne. Là, normalement, entre le ranger, les guerriers de Shras, j'ai du lancier, dont le lancier qui buff toutes les autres. Je vais juste un peu me rapprocher mon allié parce qu'on va se faire tellement courir dessus que je préfère pas être trop loin de lui. On a pour une fois un allié. Alors, non. En fait, son armée est catastrophique. Mais ça peut très bien se passer. Parce que là, en plus, le comte vampire, si là, il a le comte vampire en face, il va hurler face aux trois forestiers. Donc, il y a un monde où ça se passe très bien. Ok, donc ils ont voulu m'all-in moi. Oh, il y a un monde où ça se passe très mal. Canon apocalypse, c'est chiant, on peut pas esquiver. Double canon apocalypse. Bon, c'est deux mecs qui se connaissent parce que pour jouer en combinaison comme ça, généralement, on le fait pas. La charrette macabre, c'est très très bien, il va se faire foudroyer. Sorcier du chaos de Tsinch. Ok, feu bleu, ah oui, c'est vrai qu'il y a le feu bleu. Ok, bon. Alors là, il faudrait que mon allié fasse quelque chose parce que moi, le canon apocalypse, il va me péter ma race. Hein. Je vous le rappelle, le canon apocalypse, on ne peut pas esquiver les shots. Non, mais par contre, je ne peux pas avancer tout seul, mon frère. Hein. Attends, je montre que j'avance. Allez, gros, faut que t'avances, tes forestiers, ils sont invisibles, s'il te plaît. Il s'en va là? Qu'est-ce qu'il fait là? Dragon Valkia, 1v1? Non, je déconne, je me barre. Va-t-il activer son shield? Là, si vous activez le shield de Valkia, ça tank, ça absorbe les dégâts. Et il est bourré lui aussi là? Bah vas-y, viens, attends, viens. Viens, c'est pour un pote, viens, c'est pour un pote, viens. Attendez, je suis en train de vivre un truc là encore. Oh, je sens que ça va être exceptionnel encore ce qui va se passer là. Ok, arrêtez de tirer parce que vous allez me TK. Ouais, d'accord, ok, vas-y. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Bah venez, hein, venez. On la blob. Blobez là. Donc là, il va vouloir me canon avec ses. Par contre, il faut qu'on aille, il fasse un truc. Mais il va jamais avancer ce con!
Je vais me prendre un coup de shot de canon dans mon blob. On va hurler de rire. Son shield est parti, son shield est parti. Je vais tuer Valkia. Mais ok, mais il est là. Mais j'ai Vlad qui court tout droit. Mais what the fuck, c'est quoi cette game? Mais qu'est-ce qui branle en face aussi? Non, il va me TK. S'il tire sur Valkia, il va tuer toute ma cave. Non, mais c'est fou d'être con comme ça. Non, mais c'est une folie d'être con. Hein. C'est une folie d'être con. Hein. C'est. Une folie! Folie, 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 folie. Oh putain, le canon. Attendez, attendez, j'ai pas le temps. Il vient de me brûler, mais. Je viens de perdre plus de vie à cause de mon allié qu'à cause de l'ennemi. Ça n'a aucun sens ce qui se passe là. Il va attirer, il va me buter mon dragon, 100%. Bouge, bouge. Bouge, 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 bouge. Voilà, c'est bon, vas-y, tue-le. T'as envie de le tuer? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils font en face? Ah, en face, ils sont sous alcool, hein. Et ce canon apocalypse qui n'a toujours pas tiré, hein. Mais moi j'ai. Ah voilà, merci. Bon, là du coup, mes archers vont énormément jouer, hein, évidemment. Ils vont mourir. En plus, on ne peut pas esquiver le tir, donc ça va être exceptionnel. Il est en autolock. Ça va être un bon moment encore. Hein. Ouh, je sens cette game, elle va me plaire. Hein. Bon, on va gagner parce que j'ai l'impression que les adversaires, c'est des manches à balai, hein, littéralement. Mais il va revenir avec Valkia à 1 HP. Non, mais c'est un dragon, hein! Voilà, là, je sais plus trop quoi faire. Hein. Je vous avoue, là, je me pose des questions. J'ai peut-être pas compris la méta. Non, mais en fait, peut-être que c'est moi. Et en fait, il y a un truc que j'ai pas compris. Non, c'est possible, hein. Voilà, elle est morte. Masterclass. Et là, il va se faire tuer. Et mon allié, c'est quand il veut. Oh, mon allié, il est sympa. Non, mais je me tente un 2v1. Vas-y, vous savez quoi, je me fais un 2v1. Là, c'est pas. Vu comment c'est parti, on est dans un tas de merde là. Donc, c'est parti. C'est quoi? Oh, des chevaliers de sang. Ah oui, alors là, oui. Alors, attendez. Attendez, on va tenter un truc là. Alors, on y va là. Attendez, parce que je suis en 2v1 et j'avais pas vu cette hypothèse. Oh, les trônes des reins. Oh, sa mère, les trônes des reins. Reviens, reviens, on change de plan. Je sais que c'est chiant. Vous allez là-dessus. Alors là, c'est masterclass que je viens de faire encore une fois. J'ai été un génie. Je me fais piquer par une araignée IRL. Alors, rien qui va. Tireur de Bjuna. Allez, venez faire une contre-charge pendant que toi tu passes là-bas. On tire sur les trônes des reins. Ok, je vais me faire masterclass. Ah, nice. Les chauves-souris qui viennent arriver sur moi. Allez, les lanciers, venez là. Vous revenez comme ça. Bam, viens. On vient aider. Allez, on vient aider, on vient aider. C'est les sœurs d'Avelon, donc elles vont tanker un petit peu quand même. Ok, les lanciers. Ok, là, il y a Vlad qui m'explose. Je me prends un feu bleu. Ok, on sauve les sœurs très rapidement. Voilà, c'est bon, c'est sauvé. Bien joué. Vas-y, les lions de Shras ici. Et lui? Vas-y, hein, viens pas, mec. Hein. Y'a pas de soucis, je me démerde. On a bien compris. Ça n'a aucun sens. Hein. Je suis encore en train de vivre une dinguerie, là. Ok, c'est bon. Les sœurs, avancez. Un petit souffle. Ouais, les trônes des reins qui viennent de me one-shot. Ben oui, mais en même temps, je peux pas être partout. Voilà, ils viennent de me one-shot juste une unité. Bon, deux unités. Allez, hop. Oh, vas-y, one-shotez-moi deux unités, tant qu'on y est. Mon souffle, c'est quand il veut, par contre. Voilà, on va faire les contre-charges. Ça, c'est ce que je voulais faire, mais en 1 contre 1, pas en 2 contre 1. Voilà, les lanciers venaient. Ben, en vrai, arrêtez-les, hein. C'est quand il veut le souffle. Par contre, attends, non, fais pas ton souffle maintenant. Bon, ça va, c'est pas le pire souffle que j'ai vu. Il tire, attends, mais ces canons, ils tirent sur mon dragon. Ils sont tous bourrés dans cette game. Je le jurais, ils sont tous bourrés dans cette game. Tous, hein. Ok, mon allié est arrivé, il va pouvoir m'aider enfin. Parce que là, j'avoue, ça commence à faire beaucoup. Mes soeurs, elles ont pas pu commencer à tirer, ça casse les couilles. Essayez de tirer sur la chaîne de ma cap, ce serait incroyable par contre. Vlad, on va pas lui tirer dessus, je vais économiser magie, je pense. Ok, barrez-vous. Vous là-dessus, les lanciers derrière. Il y a des ghouls dans le bac, mais bordel de merde, mais le cauchemar n'a pas de fait. Hein. Vas-y, viens aider toi. Ah, ils ont pas. Il est en train de te. Non, mais il a pas commencé à m'aider, gros. Il est en train de faire un blob. Il tire ses 3 forestiers sur une unité de maraudeur. Non, mais c'est pas de mate en fait. Hein. Ah, bah oui, bah, je vais me prendre 3 chiens maintenant. Bah, allons-y, hein, c'est parti. Allez, c'est parti. C'était pas assez chiant comme ça. Franchement, je vous jure que je fais ce que je peux. Hein. Je fais tout ce que je peux. Tout ce qui est en mes capacités, je le fais là. Ah, bon, vas-y, hein, tirez. Essayez de vous barrer, vous de reculer un petit peu. Le problème, c'est que j'ai ce blob là qui est tout seul. Bon, mes soeurs. Hein. Et mes soeurs. Sayonara, comme on dit chez moi. Bam. Alors on dit pas ça chez moi, mais j'essaie de me donner un petit peu de style. Ok, vas-y, on se reforme derrière. Vas-y, venez par là. Voilà, ici, je m'occupe de ça. On essaie de s'occuper des trônes derrière, parce que bon, on fait comme on peut, hein, on n'a pas trop le choix. Double chevalier de saint. Vas-y, charge-moi ça. Viens là, reformez-vous, reformez-vous. Mon blob là-bas, il va s'effondrer, c'est une tragédie. Il y a ça qui va m'arriver sur la gueule. Vas-y, barrez-vous. Là, il faudrait qu'on récupère ce côté-là. Avec toutes ces unités, ça y a moyen. Ouais, ok, alors il y a beaucoup de chiens par contre. Hein. Ils sont améliorés ces chiens ou pas? Ah, ça va être chiant, je vais perdre mon lord. Ok, ici on est revenu au moral, ça va. Ok, j'ai réussi à attirer tout ça. Le problème, c'est qu'il y a les trônes derrière là-bas et je vais perdre mon lord. Et ça, ça va être un peu cauchemar. Ok, les guerriers faucons qui se débarrassent des canons, c'est déjà ça. Au moins, c'est toujours ça de prix. Ok, il m'a lâché, j'ai pas perdu encore ici. Combien sont-ils de modèles, les trônes derrière? 28, dommage. S'ils étaient pas beaucoup, j'aurais pu clasher un buveur. Vas-y, venez, aidez-vous. C'est encore une game où je suis du cul pour rien. Pendant ce temps, mon allié, voilà, bien défensif. Voilà, les forestiers qui tirent sur des maraudeurs et des guerriers du chaos, alors que moi là-bas c'est la méga merde. J'ai oublié de cliquer, putain de merde. Vas-y, faut pas que je lâche le clic. Hein. Il y a un monde où je survis parce que j'ai pas perdu trop de vie encore. Yes. Oh, mes soeurs de Valente qui sont encore revenues. J'ai pas un lancier là-bas, j'ai pas de lancier. Oh, je vais me faire foudroi.
Oh, c'est pas mal ça. En plus, ça pique du ralentissement. Allez, vas-y. Et bombarde. Hein. Bombarde sur être. Hein. Oh, nice. Bien géré ces canons hein, avec les guerriers faucons. Hein. Ils sont vraiment ouais, inutilisables. Bon, ici, c'est perdu. Je pense qu'ici, je pourrais pas sauver. Non, mais. Mais je me sens seul dans cette game, vous savez pas à quel point. Bon, je pense que je vais mourir, donc dans le loot, je vais mettre ça sur les 30 derrière pour les affaiblir. Je sais que c'est sur des modèles uniques, mais ça fait quand même des dégâts sur peu de modèles. Et là, il y a peu de modèles, donc il y a un monde où ça se passe bien. Ici, j'ai un blob qui survit comme il peut. Là, j'ai mon lancier qui survit comme il peut. En fait, je survis comme je peux globalement. Là, je vais arriver au bout de la map, là. Donc là, il va me falloir des secours et urgemment. Ok, il se retourne. Allez, chargez-moi ça. Allez, faites ce que vous pouvez, les gars. En vrai, est-ce que je bute pas les chiens, là? Et là, en vrai, on s'arrache. Vous, c'est bon. Ok, maintenant on revient, demi-tour, ok j'ai gagné du temps là, putain masterclass. Ok j'ai perdu tout ça, il me reste mes sœurs, toi viens. Allez je vous en supplie, baisez-moi ces canons là, on en peut plus là. Heureusement que les gars le jeu n'est pas bugué et que là regardez. Allez les gars, on est tous dans la même équipe hein. Ah il y a un chien qui a tapé, pas mal. Putain c'est tellement bugué ce jeu, ça me tabasse. Ok mon allié là en train de bien m'aider là, ces trois forestiers qui sont... Vous vous rendez compte que les forestiers ils ont plus de flèches, non. Je vais hurler. Regardez la value des forestiers. Ils ont... Ah, c'est pas des forestiers? C'est des éclaireurs des forêts. My bad, plus tout à l'heure, je dis des forestiers, c'est pas des forestiers. Mais ils ont 300 de value, ça me dégoûte. Ils ont plus de munitions. Ils ont tiré dans les patates. Voilà, ils ont tiré dans les patates. C'était super intéressant comme gaming. Alors en vrai, vous allez là-bas. Et vous allez là. Ok, c'est bon, masterclass. Sauvez-moi alors. Timon Lord décolle, je le jure, je suis l'homme le plus heureux. Vas-y, décolle. Une seconde, une seconde. Je viens de prendre un shot, là. Un shot de canon, là. J'étais pas serein, celui-là. Allez, on s'en va. Oui, sauver les elfes. OMG, j'ai sauvé mes elfes. Ok, j'ai une musique qui sont revenus. Il reste Vlad qui est full vie. Ça, je peux m'occuper du canon parce qu'il veut pas le faire. Ok, masterclass. J'ai encore mes deux caves. Vous allez terminer ça. Vous tracez, on va aller vers les forestiers. On va repartir à la base. J'ai un souffle sur quoi je le mets. Il y a du guerrier du chaos. Il y a les austères. Je vais mettre mon souffle là-bas. Ici, je vais me regrouper sur ce qui lui reste, c'est-à-dire rien. Mais il a déjà perdu, gros. Mais comment il a pu perdre son armée alors qu'il n'a rien fait? Mesdames et messieurs, ça sent une triste défaite. Hein. Bon, au moins, les guerriers faucons, il les rentabilise là. Au moins, il tue des unités utiles, donc ça les rentabilise un peu. Voilà, 1000. Bon, 1000 en fin de game quand ils ont plus de flèches. J'ai envie de me tabasser la tête, hein, mais c'est pas grave. Là, il faudrait que je trouve un moyen de mettre un souffle sur ces quelques trônes derrière là pour les pulvériser. Mais je sais pas trop comment je vais trouver ce petit truc là. Mais là, si venez là, vous revenez. Impeccable. Alors, vas-y, un petit souffle là-dedans, dans les austères. Ça, c'est primordial, déjà. Voilà, impeccable. Enfin, j'ai eu un peu de TK, hein, ça compensera ce qui m'a mis au début de la game. Les lanciers, allez dans ces chevaliers de sang. Putain, il y a encore la charrette macabre. Vous vous rendez compte qu'il y a une charrette macabre, il ne l'a pas tué avec ses archers. Hein. Je vais câbler ma tête. Hein. Oh, attendez, une charge, ils vont partir en morale. Une charge, ils vont partir en morale. Les trois derrière sont pareils là. Ok. Non, mais le canon est toujours là, gros. Mais qu'est-ce qu'il fout, gros, mais... Qu'est-ce qui branle? Je sais pas là. Ok, masterclass. Les lanciers venez là. Les lanciers venez là, urgemment. Venez là, urgemment, les lanciers. Attends, c'est quoi? Ah non, chevalier du sang. Ok, je change de cible. Change de cible. Mes deux princes, revenez. Toi, viens. Le problème, c'est qu'elle a plus de magie. En vrai, toi, du coup, va t'occuper là-bas. Les trônes derrière s'en vont. Ça devrait le faire. Oh, la game est tellement serrée, je suis abattu. Ah, j'ai perdu un chevalier de sang. Il est parti. C'est quoi? Il est en furie? Oh, il est terrifié. Il va peut-être revenir. Terrifié? Je pense qu'il revient. Ouais, voilà, il revient. Toi, tu drops dessus. Là, j'ai les lanciers parfaits. Il s'occupe là de la masse, c'est impeccable. Là, hop. Oh non, barrez-vous, non. Me TK pas mes unités, s'il te plaît. Arrête de faire ça, s'il te plaît. C'est chiant. Mais gros, il vient encore de m'enculer, gros. Mais en fait, je suis en 3v1. C'est la première fois que je fais un 3v1 aussi clair, net et précis. Ok, je sais, vas-y, non. Prenez le fight. Là, mon unité, elle va fuir, donc c'est pas grave. Là, mon unité va fuir. Oh, par contre, rate pas le souffle. S'il te plaît, fais un beau souffle. Là, mon unité va fuir. Donc, c'est pas grave. Je veux me TK. Franchement, ça va. Impeccable. Elle allait fuir. C'est impeccable. Oh là, en vrai, il faudrait qu'on. Je pense que je vais commencer à faire des charges sur Vlad. Après, on a les sœurs. Non, c'est bon, les sœurs sur le dragon. Je pense qu'elles vont buter Vlad. En vrai, moi, avec mon dragon, là, je bute eux. Ouais, je les bute là. Allez, boum. Allez, bam, 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 bam. Oh, la bonne game du plaisir, du cauchemar là. Oh, vas-y, fais-toi le magicien, toi. C'est quoi que c'est un sorcier de Cinch? Voilà, bon, les doubles dragons, normalement, on est bien. Regardez le magicien, il s'est pris un mid-life là en 10 secondes. Le pauvre. Enfin, il était pas full vie, je crois, mais. Voilà, plus de charrettes. Allez, moi je vais faire des charges, des cycle charges. Oh, mes caves sont revenus. Moi j'ai plus rien, attention, là je dépends tellement de lui, j'ai plus que mon dragon, hein, donc je peux pas faire grand chose. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'est gagné, il me reste plus que Vlad. On va juste le faire fuir tranquillement là avec deux dragons, Vlad ou pas. On va lui péter la gueule, hein, je vous le dis. Normalement, si on fait juste des charges, ça devrait le faire. Oh là là, non mais quel game, gros. Mais je me suis fait TK combien de fois, gros, dans cette game? Sans déconner. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans la gueule, hein? Déjà, il m'a enlevé un quart HP au start, enfin, un peu moins d'un quart HP au start, juste sur mes princes dragons. Il m'a remis ensuite, là, à la fin, encore des dégâts. C'est une folie, hein. C'est du jamais vu, hein, un tel niveau de TK. Ils ont combien de value, là, ces coureurs, là?
éclaireur des profondeurs de la forêt. Donc c'est un très très bon archer, c'est pas des forestiers, mais voilà. Je vais peut-être acheter des essuie-glaces devant mes, pour mes lunettes, moi. Oh, ok, j'ai jamais vu ça. Hein. Alors là, je me suis jamais fait autant TK de toute ma vie. Hein. C'est pour vous dire, j'ai joué avec des joueurs Skaven des gènes hein, qui ont des mortis qui touchent à moitié leur armée. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Je vous propose de regarder en tout premier notre allié. Alors il doit avoir de la value sur ses sœurs. Hein. Voilà, bon, en même temps, à la fin de la game, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. Hein. Bon, bah, du coup, ça, il les a rentabilisés. En fait, ça me tabasse parce qu'il a gaspillé toutes ses flèches. Cette unité est tellement pas folle qu'il a gaspillé toutes ses flèches. Et en fait, à la fin, il a juste fini les unités. Il a mis 20 minutes à se débarrasser des canons. J'ai eu envie de me suicider. Oh, les faux. Oh là 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 là. 500, 500, 400. Pff. Oh, pas mal celle-là, par contre, faut noter. Merci, merci, voilà, merci, merci d'être. Merci d'exister, merci d'exister. 4200, 4300, merci d'exister. Merci d'exister, merci d'exister. Un peu moins celui-là, parce que celui-là, il s'est pris les 30 d'airain, il a moins rigolé. Bon, mes sœurs. Non, mais vous vous rendez compte que mes sœurs d'Avelorn, elles se sont fait charger, attaquer par deux chauves-souris. Il y a eu des lords, il y a eu Valkyrie, elles se sont pris l'année d'attaque. Elles ont fait 542 value. Et ces connards d'archers de merde, ils ont fait autant alors qu'ils ont pu utiliser toutes leurs munitions. Mais bordel de merde, je suis salé de ouf, genre, vraiment, j'en peux plus. Oh, mais mesdames et messieurs, pff, allez, vivement la deuxième. Hein. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti, deuxième bataille. Pitié, un allié qui ne me TK pas. Non, mais sans déconner, faut qu'on en parle la game d'avant. C'est du jamais vu le TK que je me suis pris. Ouais, parce que d'habitude, ils sont nuls. Bon, voilà, ils font n'importe quoi. Ça passe pas. Ok. Mais là, il m'a fumé ma mère. Littéralement, il m'a explosé ma gueule. Alors, moi, je suis pour l'instant avec un nain du chaos, vous le voyez. On va attendre de voir un petit peu ce qui va pique. Il a l'air de vouloir jouer nain du chaos. Moi, par contre, alors, on avait joué au elf. Je vous avoue qu'avec la game de merde que je me suis pris, je pense qu'on va partir sur un truc, voilà. On va partir sur soit l'Empire, soit Tzinch. Non, mais on pourrait se prendre un petit Empire. Alors, en réalité, en 2v2, j'ai peur qu'en prenant l'Empire, ça les fasse rush kit. C'est le problème en 2v2. Et vu qu'on n'a pas souvent des games 2v2, ou alors je prends qui se lève et là, on les fait rush kit. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On pourrait faire ça. Vas-y, vous savez quoi? Je vais me faire plaisir, on va tenter de jouer un petit qui se lève. En plus, nain du... Oh putain, la dinguerie. J'allais dire, en plus, on a un nain du chaos, il va sûrement jouer de loin. Effectivement. Vas-y, on va jouer qui se lève, mais je vais essayer de pas jouer trop de trucs cheatés. Genre, je me limite qu'à peut-être un seul Ashkina de Renan. Limite, si je prends l'Ashkina de Renan, je prends pas les trucs qui anti... Enfin, qui cancel le heal. Enfin, vous avez compris? Alors, pendant ce temps, hein, mon allié, il est en train de faire sa composition sans même savoir ce qu'il y a en face. Ok, on est contre la Norska. Et la Côte Vampire. Alors, je vais pas vous mentir que sur le papier, on devrait les exploser. Mais vraiment, les exploser. On a vraiment des factions beaucoup, beaucoup plus fortes qu'eux. Alors, moi, la Côte Vampire, ça m'embête un tout petit peu parce que je peux pas... Enfin, il peut y avoir beaucoup de canons. Il est déjà prêt. Il va pas me laisser le temps. Ouais, sa compo, elle est terrifiante à l'allié. Hein. Sa compo, elle est terrifiante. Et puis, il me laisse pas le temps de jouer, évidemment. C'est un classique. Ok, bon, moi, j'ai fini mon armée. Bon, j'ai pas pris de dinguerie. J'ai pris, par contre, 3 caves. Ça, j'avoue, c'est un peu broken parce que je vous rappelle, hein, par notre sein, ou est-ce que c'est... Putain, je sais plus où c'est. Ah, attends, c'est pardon. Charge glorieuse plus par notre sang, ça rend les caves très très fortes. J'ai pas pris des dévriches kamikazes, vous savez, les petits dévriches, c'est cette unité là. Qu'on envoie un peu en mode suicide, comme ça je suis sûr de one shot à peu près sa cavalerie, son artillerie. Bon, je trouve que c'est un peu, voilà. Je vais prendre des cavaleries qui sont quand même un peu plus efficaces pour me forcer à pas les suicider parce que sinon c'est un peu cancer. Après, si je tombe face au code vampire, vu qu'il va y avoir beaucoup d'albardiers, ça va vite être chiant. Mais bon, voilà. Du coup, magicienne classique, voilà. J'ai envie de jouer avec Elpress pour essayer de me buff un petit peu les charges. Voilà, pour essayer, c'est assez compliqué parce qu'en vrai, le 3/4 du temps, je rate le buff parce que je l'oublie tout simplement. Classique, ensuite rien d'exceptionnel. Voilà, l'antide, je vous l'ai déjà expliqué. De la fronte, beaucoup d'anti-large hein, parce qu'entre les monstres, les crabes, ce genre de merde, vu que je prends pas d'ours, j'ai pas envie de prendre des ours parce que pareil, bon, bref, c'est ZZZ. Et quand on appelle ça le North Sky, il peut y avoir beaucoup de loups, les gros loups, de fémir, bref, de trucs un petit peu chiants. Voilà, je pense que j'ai pas pris une armée qui se lève. Trop cassé du cul en réalité, ça va, honnêtement ça va. Là le problème c'est surtout mon allié, mais en vrai si j'arrive à aider mon allié, il y a un monde où ça se passe bien, parce que si j'arrive à le protéger avec ses 4 tromblons, je vous rappelle, hein, les tromblons c'est soit ça fait des milliers de dégâts et de la millier de value, soit ça pue sa mère, hein. Il n'y aura pas d'entre deux là pour le coup. Ok, bon, combien sont-ils ces fourbes là? 2600, on est 2800, ouais, vous vous rendez compte qu'on est plus nain du chaos qui se lève, on est plus que Norska et Code Vampire, que des vampires. Hein. Après c'est vrai que lui il a un mortier, après moi j'ai, et regardez le stack qui se lève. Oh, oh non. Attendez, mon allié vient de quitter. Je suis en 2v1. Oh putain, j'ai envie de la jouer. Oh, j'y vais. Alors du coup, là, mon allié, ça, c'est le déploiement de l'IA. Voilà, impeccable. Hein. On va bien s'amuser. Ok, bon.
C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais quand même la jouer. On l'a jamais fait ça, de faire du 2v1. Enfin, si, techniquement, à chaque fois on est en 2v1 le 3/4 du temps, vu que les alliés servent à rien. Mais là, pour le coup, il est pas là, quoi. En vrai, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que l'IA va pas mieux s'en sortir? Du coup, est-ce qu'il y a... Ah ben non, putain. Oh, en plus, il y a que des troncs blancs. Du coup, l'IA, elle va faire n'importe. Oh là 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 là, je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul. Oh, je suis tout seul. Bon. Bah, écoutez, ça va bien se passer. On va jouer la cave défensive, je pense. On va faire comme ça. Je vais jouer les monstres aussi en défensif et on va voir comment ça va se passer. Bon, mesdames et messieurs. Nous avons relevé de plus grands défis, ce n'est qu'un de plus parmi tant d'autres. Ça va bien se passer, faites-moi confiance, let's go. Paf, voilà, et en plus je mets la pression. Il aurait pu bien se déployer avant de quitter quand même, à cet enculé. Il aurait pu au moins finir son déploiement quoi, sans déconner. Oh les tromblons à première ligne là, mouah, ça va être parfait. Hein. Ouais ta mère, il y a... Ouais, en plus il joue combiné, ouah, double colosse nécrofex. Oh, Nautilus, ok, faut que je garde cette unité, hein. Absolument, parce que pour gérer Nautilus, ça va être bien. Bon, est-ce que mon allié avance ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait, l'IA, là? Attendez, l'IA fuit? Mais attendez, on est d'accord que mon allié a quitté. Il y avait marqué Mordo machin a quitté. L'IA, elle fuit? C'est un comportement classique, ça, parce que moi, je fais pas de campagne. Ah non, elle se repositionne de côté. Ah, du coup, l'IA, elle va rester en mode, elle attaque pas. Oh, PTDR, c'est vraiment de la merde. Je suis tout seul, quoi. Bah, vas-y, hein. Bah, attendez, mais ça, on lui explose la gueule, là, ce truc, là. Attendez, mais c'est quoi cette folie, là? Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Oh, il y a trois... Oh, bordel de merde. Ok. Allez, bah, feu, hein. Oh, putain, ça va être quelque chose. Oh, Trog, c'est bien, ça, Trog, arrêtez. Trog, c'est très, très bien, ça. Il vient me TK. C'est vraiment de la merde, cette arme, hein, je le jure. Hop, on va très vite affaiblir ces lignes. Allez, revenez là. Revenez là. Voilà, on affaiblit ça. Ok, vous tirez là-dessus. Ok, elle preste ici. Bam, on y va. Une charge là-dessus. Ok, toi, viens par là-bas. Parfait, la contre-charge, impeccable. Ma ligne va pas tenir très longtemps, ça reste de la North. Voilà, contre-charge là-dedans, la cave. Voilà, on ravage tout ça, c'est pas mal. C'est quoi ce sort, là? C'est le sort de mon allié? Non, c'est le sort d'un ennemi. Vas-y, on envoie tout ça sur Trog. Parfait. La cave, chargez ça, vous fuyez. Vous allez dans le bac, go. Oh, l'IA. Oh, l'IA qui arrive en balle. Ok, c'est loose, hein. C'est archi loose, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, vas-y, tout sur Trog. Alors, en réalité, pas tous. Vous, oui. La cave, fuyez. Hop, parfait. Celle-là, elle va aller chercher ça. Vas-y, go. Ça sur les gros monsieur. Gros monsieur pas beau. Vous tirez sur les gros monsieur pas beau. Cette cave, vas-y, recule. Vas-y, charge ça dans le bac. Oh, ce que je me prends là, c'est technique, là. Ok, j'ai réussi à tenir plutôt bien ici. Pas mal. Bam, là, on attaque ça, ok. Non, non, l'unité de Renan sur lui. Putain, je ne comprends rien ce qui se passe, c'est un gros bordel. Ça, là-dessus, vous reculez, vous allez par là-bas. En vrai, vous et vous sur ça. Je viens de me... Mais qui a fait ce sort? Ok, j'ai une câble là, qui est AFK qui peut charger ça. Ok, barre-toi. Oh, traverse. Ok, go, ça, allez là-dessus. Continue à tirer sur toutes les unités larges qui bougent pas, là, en face de nous. Vas-y, charge-les toi aussi. Trog, regardez, Trog, il ne peut pas se heal. Eh oui. Et oui, et oui, qui se lève, c'est broken. On a une unité qui peut cancel le heal. Par contre, je me fais écraser là. Oui, secours là. En vrai, retournez-vous là. Faut que je combatte ce côté-là. Oh, regardez, on a kill Trog. On a kill Trog, il a pas pu se heal. Oh la masterclass apparemment. Hein. Et hop, voilà, comme ça. Toi, pas mal. T'as réussi à t'enfuir. On va charger ça dans le bac. Ici, on se retourne. On tire là-dessus. On tire là-dessus. Ok, bien joué. L'unité anti-heal, elle va poursuivre Trog. Ici, combattez ça. Vous. Hop, essayez de vous aligner et tirer sur les petits chiens. Oh putain, je prends un sort de ouf. Je prends un sort de ouf, reculez tous. Non, non, avancez. Oh putain, tête enflammée qui fait les droits de gauche. Mais elle fait les droits de gauche, cette connasse. Ok, ça va bien se passer, je suis pas énervé. Let's go. Ok, j'ai l'impression que c'est géré. Ok, on se refait ça, paf. Barrez-vous, j'ai pas une cave de dispo là. Dans tout ce bordel là. Si, poursuivez les trolls. On va gagner, ça me tabasse, hein. Je vais gagner à Villiers, j'en ai rien à foutre, je vous le jure. Alors, tac, toi là-dessus. Cette unité là-dessus, où est l'unité de Renan? Elle poursuit Trog, c'est parfait. C'est masterclass. C'est un de ces bordels là. Oh, les tromblons au corps à corps. Ah non, c'est pas les tromblons. Ils sont où les tromblons? Ah si, ils sont au corps à corps. Là, va falloir que je commence à. Je sais pas, à me retourner un petit peu, à me réorienter. Aller là-dessus, reculer. Tirer là-dessus. Vous allez dans les halbardiers. Vous passez dans l'eau. Dans l'eau, oui, bien sûr. Passez dans l'eau. Classique. Petit bombardement là-dessus. Tirer sur les gardes profondeur. Putain, il y a des gardes profondeur à gérer. Oh là là, secours. Vous allez vous battre contre ça. C'est bon? Ok, c'est bon. Trog est fait. Maintenant, on va envoyer eux là-bas sur Nautilus. Il y a un monde, je vais gagner avec l'IA. Je le jure, il y a un monde où je vais gagner avec l'IA en 2v1. Je le jure, il y a un monde où je vais gagner. Hein. Regardez, c'est tremblant, hein. Impeccable les tremblants. Là il y a... Ah non, c'est pas les tremblants. Si, c'est les tremblants, oui.
C'est les tremblants, ils sont encore à corps. Je suis mort. Après, ça reste costaud, hein, ça reste des nerfs, hein, mais bon. Oh là là, ma magicienne hein, qui commence à bégayer, ma magicienne. Elle commence vraiment à voir très très flou. Oh là là, oh, il y a encore des unités reloues là. Run, viens. Viens, viens, viens. L'unité anti-heal va sur Nautilus qui est là-bas. Moi, j'ai quasiment plus rien. Moi, ça commence à être dur là. Allez poursuivre ça. Attention au feu. En vrai, vous, vous allez attraper ça. Avant Nautilus, on va tuer cette unité histoire de. Moi, bon, ils veulent pas fuir ces connards de maraudeurs là. Ok, c'est bon. On avance avec toutes ces unités là. Hop, c'est bon, c'est bon. On peut avancer. Voilà, comme ça, j'aide mon allié. Même si c'est qu'une invocation. On s'en débarrasse. Mon allié est pas bloqué comme ça. Oh, le Fémir qui me pète la gueule. Ah, le Fémir qui me pète la gueule. Laisse-moi tranquille. Voilà, ça c'est clear, on va gagner. Donc Kislap c'est fort, hein, on va pas se mentir. Ok, attendez, stop, halt, retournez-vous. Sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Vous êtes tous anti-large, donc faites quelque chose. J'aurais pas dû leur dire de changer, donc c'est pas grave. Allez-y, je jurais on va gagner, combien il a de kills lui? 89, hein, 89. Il a utilisé toutes ses munitions, il a 89 kills, hein. Ça pue sa mère. Voilà, je le dis, ça pue sa mère. Après, c'est l'IA qui tire, on rappelle encore une fois. C'est l'IA qui tire, je vais pas sauver mon lord. Et ça me cringe un peu par contre ce qui se passe là. J'ai perdu mon lord, bah il suffisait de le lire, hein, voilà. Le problème c'est que là, s'il me fait un sort, je vais mourir, hein. Il va me one-shot toutes mes unités d'un coup et ça va être très 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 cringe, hein. Non, 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 faut pas que je les perde, hein. Non, faut pas que je les perde, sinon on pourra pas cancel le heal de Nautilus, ça va être cauchemar. Oh là là, et voilà, il me fait des têtes enflammées, le con. Oh, on l'a eu, on l'a eu. Let's go. Ok, une cave dessus, direct. Oh, une cave sur le magicien, là. On tire sur Nautilus. On tire sur Nautilus avec toutes nos unités. Non, non, on lui tire dessus, j'ai dit. Voilà. La cave, elle peut faire une contre-charge ici, reculer, ça sert à rien de les jouer. Ça va les faire fuir instant. Voilà, il va me TK le con l'allié. Il va me TK le con de l'allié, j'ai juré. Masterclass plus TK, impeccable, j'adore le gaming. Oh les tremblons. Oh oui, il y a compris comment il fallait jouer. OMG. OMG, ils sont en train de tirer, j'avais pas vu. Oh la dinguerie. Et là, je cancel son heal, il peut plus ce heal là. Là, là, il ne peut pas ce heal là. Eh oui. Eh oui. So long, mon ami. C'est fort qu'il se lève, hein. Ah, vous avez pas vu les points? Bon, en gros, j'avais 11 ou 12 000 points là. Ah, ça fait plaisir de gagner. Bon, j'avais une faction qui était très forte. Bon, alors la question là, confirmez-le moi dans les commentaires. On est d'accord qu'il avait marqué qu'il avait quitté. Donc, du coup, c'était l'IA qui jouait. Parce que là, ça faisait quand même très très IA. Je veux dire, quand le mortier tremblait froid tirait sur Nautilus, on est d'accord que quand les tremblons sont venus au corps à corps. Il y avait un petit problème quand même. Non, non, mais qu'on soit d'accord, hein. J'étais bien hein, 1v2, hein, on va confirmer le moi. Mais a quitté la game, pour moi, c'est qu'il a quitté la game, hein, c'est qu'il est plus dedans. Du coup, voyons quand même l'IA ce qu'elle a fait. Bon, bah ça c'est normal, c'est un superviseur. Bon, déjà un superviseur, bref. Ouais, dommage, il y avait quand même beaucoup de masse. Oh, let's go, les tromblons ont tiré. Ah oui, mais ça c'est à la fin, ils ont explosé Nautilus, on l'a vu. Ah, vous avez vu quand même. Regardez, même l'IA, du coup, parce que si c'est l'IA, après si c'est le joueur bien joué, c'est pareil. C'est ce que je vous ai dit, soit ça va faire énormément de dégâts, 1400, après pas beaucoup de dégâts, ça a beaucoup de value, mais pas beaucoup de dégâts. Celui-là, voilà, celui-là il a 14 000 dégâts, 1600, lui il est plus, on va dire, valorisé. Par contre, soit ça fait rien du tout, quoi. Donc c'est de la puce à mer, c'est de la incroyable. Par contre, de notre côté, bon voilà, elle coûte quasiment rien, on a quand même réussi à faire 16 000 de dégâts. Voilà, hein, cancel de heal, là on s'est fait trop, eux je les ai mal joués. Enfin, après ils sont encore mid life, hein, mais je les ai envoyés beaucoup se balader. Là, je trouve qu'en vrai j'ai pas mal joué ma cave et mes monstres parce que je les ai vraiment, voilà, envoyés. Hop, on focus un truc et ensuite, paf, on va faire des charges. On va finir toutes les unités. Regardez, 800, mais quand même 12 000 de dégâts et 181 kills. Voilà, 1400, 13 000 de dégâts, 101 kills. 1000, 14 000 de dégâts et 111 kills. Vraiment, on a bien nettoyé. Oh, ça fait plaisir de voir celui-là. Tadar, il est à 1100 et l'autre, il est à 300. Bonjour à tous. Bon, de leur côté, bah voilà, même à deux, ils ont perdu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je suis pas sûr que le double Necrofex, c'était une très très bonne idée. Autant, je sais qu'on a sorti un épisode il y a pas longtemps où l'adversaire, il avait un Necrofex et un Nautilus à pied. Mais bon, là, je veux dire, on a deux factions basées sur le tir. C'est pas pareil que quand j'avais joué Korn, ça n'a même rien à voir. Ah, je m'en fous, on a gagné. Ok, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode cauchemar en multi. Alors là, celui-là, je pense qu'on frôle le top des cauchemars en multi. Entre la première game où je me fais TK par l'allié et c'est vraiment dur sa mère, et la deuxième où là, littéralement, bah, mon allié quitte la game. Alors là, sans déconner, je pense que là, on est dans le très 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 haut niveau. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt.